À la fin de cette première journée de conférence sur le TNP, donc nous avons rendez-vous avec ICANN, une belle banderole pour, qui demande la signature donc, du traité d'interdiction des armes nucléaires. Et donc nous sommes partis devant les missions permanentes. Alors, on a commencé par aller devant la mission de la Russie. Nous nous sommes arrêtés quelque temps. Nous avons discuté avec le gardien et bon, fait des photos télé. Et après, nous sommes partis devant la mission du Canada, toujours avec la banderole pour demander la signature du traité. Nous sommes aussi restés devant la mission de la Corée. En face de cette mission, il y avait aussi la mission donc, du Koweït. Et après, nous avons continué à aller vers la mission de la Chine, etc. Donc, c'était une petite manifestation. Et cela, ça m'a rappelé que les manifestations que nous avions faites en 2010 à New York, lorsque nous avions été habillés de noir avec les masques blancs devant les ambassades des puissances qui avaient les armes nucléaires, quoi. Donc, c'était un bon souvenir.